Dans cette vidéo du centreinfoproduit.com, nous allons voir comment nous pouvons cacher une URL, un site ou une page HTML ou une page PHP. Donc tout d'abord, nous allons prendre l'exemple de Google. Donc vous pouvez voir qu'ici nous avons l'URL de Google. Donc maintenant, nous allons voir comment empêcher nos visiteurs de voir le site qu'ils désirent aller visiter. Donc, c'est très simple. Nous allons prendre donc une page HTML avec ces balises. Vous remarquerez qu'ici, il manque les balises body. Donc, c'est fait exprès. Donc, nous allons coller notre morceau de code, notre frame. Donc ici nous avons mis par exemple centreinfoproduit.com, mais nous allons mettre d'abord Google. Voilà, nous enregistrons notre page. Nous voilà, donc vous pouvez voir ici que je ne suis pas parti de mon bureau. Je suis bien sur Google, je peux faire mes recherches, etc. Mais je n'ai pas quitté mon bureau puisque ma page index est enregistrée sur mon bureau. Donc, sur un serveur, c'est exactement la même. Donc maintenant, nous allons la rediriger, mais vers une page, par exemple, de signature. Voilà. Des bêtises, excusez-moi. Voilà. Donc ici, donc nous enregistrons. Nous allons aller sur le site de centreinfoproduit.com et sur la page signature. Donc nous cliquons dessus. Nous sommes bien sur la page signature d'enregistrement. Mais l'URL n'a pas bougé en haut. Donc, vous pouvez rediriger des personnes si vous voulez masquer depuis votre site des URL, des pages. Vous pouvez le faire en créant une page Frame avec son code que voici. Et en indiquant bien entendu l'URL et la page à rediriger. Voilà, c'est pas plus compliqué. Maintenant, pour avoir ce morceau de code, vous pouvez aller sur le centreinfoproduit.com. Si vous n'êtes pas membre, vous pouvez vous enregistrer. Vous pouvez vous enregistrer en free aussi. Excusez-moi. Voilà, vous pouvez vous enregistrer en free, ce n'est pas compliqué. Et vous pourrez donc télécharger ce morceau de code ainsi que voir d'autres vidéos. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo.